Voilà, il y a tout qui a... là, il y a tout qui a sauté. Bon, bah, ça a encore merdé comme hier. Ça a encore merdé, ça. Ah ouais, la connexion, elle est horrible. Oh là là. Putain, mais c'est un truc de dingue. Maintenant, je peux plus streamer jusqu'à 22, à partir de 22h. Je peux streamer qu'à partir de 22h. Mais c'est quoi ce délire? C'est pire qu'hier. C'était super stable jusqu'au début du stream pendant 20 minutes et là je vois là c'est en train de partir en couille. Yeah, c'est very strange. The start of the film it was perfect and 10 minutes after it's very unstable. Ouais, mais je comprends pas. Normalement, ma connexion, quand je regarde ma connexion, mon débit et mon ping et tout, et j'ai fait des tests de stabilité, bah je pense que c'est peut-être ça la ronquine. Ouais, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en 4G maintenant ou qui utilisent la 4G à mort jusqu'à 22h et c'est saturé. Mais c'est vraiment bizarre, quoi. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc bizarre. Parce que toute la journée, je teste régulièrement quand je passe devant le PC. Je clique, je scanne, je fais des scans. Yes, I think you have a saturation on the connection between all the people in the village. Ouais, trop de monde dans le patelin. Bah, pourtant, il n'y a pas plus de monde que d'habitude, mais on n'est même pas en vacances scolaires, il n'y a rien de particulier. Et ça fait déjà. Ça fait, on stream depuis le mois de juin. On a passé les vacances scolaires, on a tout passé. Il n'y a pas eu de problème particulier. À part 2-3 jours où t'entends c'était une soirée qui était infecte et après le reste a repassé. Et là c'est tous les soirs depuis 2 semaines quoi. C'est vraiment bizarre quoi. Parce que je teste toute la journée c'est nickel, nickel. Bah, le soir je peux pas tester parce que je suis en stream, mais vendredi et samedi je vais tester. Je vais tester. Je vais faire des tests de saturation aux heures entre 20h et 22h et je vais bombarder à mort les tests pour voir vraiment d'où ça vient parce que c'est vraiment bizarre quoi. Est-ce que c'est volontaire de la part de Wii qui me sature, qui me dégrade ma connexion, peut-être que je consomme trop de débit d'upload, je ne sais pas. Enfin... C'est un peu ça en même temps. Mais non, mais je pense pas que ça vienne de l'antenne. Hein, parce que toute la journée, même le soir, après le stream, je reteste. Pareil, hein, j'ai 100 mégas en upload, 60 mégas, enfin 100 mégas en download, 60 mégas en download. Enfin, en upload, enfin bref. Voilà, bref, j'ai le double de ce qu'il faut pour streamer. Hein, pour streamer du. Maintenant, je panique dès que j'ai la musique qui s'arrête. J'ai le double de ce qu'il faut pour streamer en 720p 60 FPS. C'est-à-dire que j'ai largement ce qu'il faut, quoi. Bon, le chat ne se met pas à jour. Ah ouais. Il faut que je le recharge. Ouais, ça, c'est la merde. Tic, 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 tic. Je sais plus c'est où. La source. Ça devrait repartir. Et donc ouais, c'est pour ça que je fais des tests de saturation pour voir vraiment où ça va, s'il y a des paquets perdus, s'il y a tout ça et tout. Et j'ai dit, à part les heures où je stream, où je peux pas tester ce que je suis en stream, le reste de la journée, ça fonctionne, mais nickel. Il y a zéro problème. C'est même... J'ai des débits de forain, quoi. Je sais que le soir ça baisse un tout petit peu vers 19h parce que là il commence à y avoir du monde, mais que ça baisse aussi fort et que ça devienne autant instable à cette heure-là, c'est incroyable. Et l'antenne n'est pas vieille, elle a été installée il y a 3 ans quoi. Et on a une antenne 4G, Bouygues, on a une antenne 4G, 4G SFR, on a une antenne 5G Orange. Donc en fait, c'est pas comme s'il y avait une antenne qui se répartissait sur tous les opérateurs. C'est chaque opérateur a son antenne. Donc techniquement, il n'y a pas de raison que ça sature plus que ça quoi. Donc, mais si c'est ça, je vais devoir l'engueuler, engueuler oui, hein. Je vais leur dire, c'est quoi ce bordel, hein? C'est de la censure. On veut me faire taire. Mais, je sais pas.
C'est très très bizarre. C'est très bizarre parce que j'en vois vraiment. J'en vois vraiment. Je suis light, hein, mais. Demain, on testera l'autre logiciel, voir si c'est pas celui-là qui a un problème aussi. Hein. Comme il y a des mises à jour sur le logiciel, parce que la mise à jour, elle a pas pété un réglage et fait que maintenant il y a des délires au niveau des débits, c'est possible aussi. Hein. Ça, c'est vraiment mon succès. Attendez, un succès, vous avez... Bon, ouais, je suis content, on est une dizaine tous les soirs, mais quand même, faut pas déconner. Vas-y Galo, tu passes en premier. Si t'as pas passé la sécurité, on saufile jusqu'au dernier étage. Hein. On va le choper, le patron de Wii. Mais voilà, ouais, c'est très bizarre que ça dure ça. Depuis 15 jours, il y a eu des mises à jour la semaine dernière. Est-ce que c'est ou, il y a une semaine ou deux non, ce week-end dernier, il y a eu des mises à jour. Ou lundi dernier, du soft de stream. Est-ce que c'est lui qui fait que maintenant il balance n'importe comment et il faudrait une autre mise à jour? Je ne sais pas. Mais ça ne visiterait pas pourquoi à 22h ça fonctionne bien. C'est complètement incompréhensible. Donc ouais, donc bon, demain, on testera avec l'autre logiciel. Il est presque configuré, il y a des trucs qui ne marchent pas encore, mais on va y aller comme ça, tant qu'on peut lancer le jeu et discuter, ça devrait le faire. J'ai réussi à recréer quelques scènes rapidos, ça devrait dépanner demain pour faire un test. Vache. Ah. Ah, tout de suite, il y a plus de monde. Hein. Ah, tout de suite. Hein. Mais bon, si seulement j'avais la fibre, si seulement ils pouvaient se bouger le cul. Centimètres, ouais, laisse tomber. Qui marche à 40 à 5 centimètres, hein. Et donc le chat ne fonctionne pas, hein. Donc attendez, je vais tenter un truc. Si je change de chaîne, truc, est-ce qu'il va avoir envie de se réactualiser? Je crois que le chat est mort. Hein. Ah si c'est bon. Le chat est revenu. Ah. Les premiers messages ont été lus, ont été vus. Ah c'est bon Galo, c'est bon. Ouais c'est bon, il n'est plus cassé le chat. Hein. Ah ouais c'est très très très... Ça c'est déjà arrivé, hein. Ça arrive quand il y a des micro-coupures. Il arrive pas à récupérer le. Ah, il arrive pas à récupérer le chat. Ça normalement tu réactualises le cache est censé marcher, mais là ça n'a pas marché. Donc tu changes le chaîne et tu forces la réactualisation du cache et c'est reparti. Oh, comment vous tapez la fiche. Mais ouais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Et je vois que ça continue à dropper, hein, tout doucement. Mais c'est un truc de dingue, hein, s'appelle... Domek était là en tout début, hein. En tout début du stream, hein. C'était nickel, c'était parfait. Ça a duré 5 minutes, et c'est parti en couille. Genre, c'est parti en couille à 21h, et à 21h12, ça a cuté. Très bizarre. Et là, c'est complètement instable, hein, c'est pareil. Hein. C'est un délire. Ouais, c'est ça qui est très, très, qui est très, très bizarre. C'est ça qui est extrêmement bizarre.
Et surtout, ouais, sur ce logiciel-là, je peux pas changer, mais je sais que sur l'autre logiciel, je peux changer le serveur de stream. Donc demain, je changerai aussi le serveur de stream, hein. Parce que là, j'en vois carrément pas fort en plus. Ah, peut-être un peu fort quand même encore. Là, on est bon. Là, on est bon. Ouais, c'est... Non, là, c'est bon, là, c'est bon. Black Minou. Ok, bon, on fera comme ça. J'ai dit, faut continuer encore ce soir. Demain, testera avec l'autre logiciel de stream. Enfin, je peux, en fait, quand je suis connecté, je peux pas toucher aux paramètres. Je peux pas baisser ou toucher un paramètre d'encodage ou un paramètre de serveur. Quoi que ce soit, je peux rien faire dès que je suis connecté. Il faudrait que je coupe le stream, que je fasse une mise à jour des paramètres, que j'upload les paramètres et après derrière que je puisse relancer le stream. Donc, c'est la merde comme d'habitude, c'est en train de ça va me pourrir encore la soirée, c'est terrible. Et le chiffre ne change pas, hein, on est toujours à 20% comme tous les soirs, 20% d'images perdues. C'est radical, hein, ça ne bouge pas, c'est 20%. C'est incroyable. Bah de toi là, ok, donc on peut dire du mal de toi, hein, si tu veux. Ça te ferait du bien en plus, je suis sûr. Ah, ça me saoule, j'étais persuadé qu'on passerait une bonne soirée. Ce que j'ai dit au début de stream, j'ai dit, là, normalement, on devrait passer une bonne soirée. T'as mon cul! Hein, de mate, hein. Y a pas de raison qu'on dise du mal de toi. T'as pas de passif. Contrairement à la rouquine. Qui balance des pics à tout le monde. Hop, après derrière, elle va retrouver son doudou. Et elle revient en fin de stream. Elle mitraille encore un petit peu dans le chat. Et après, elle se casse. Hein? Si c'est pas des gens qui ont des comportements qui mériteraient des petites claques sur les fesses. Je peux même pas l'allumer, Gaëlle, le moteur de la voiture, j'ai plus de batterie. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais fuite pas la rancune, hein. Si t'es sur mes côtes, hein, n'oublie pas, ici c'est pas une démocratie. Hein. Ah si, c'est une démocratie dictatoriale. C'est pas pareil. Fais gaffe, hein. Ça me stresse ces histoires de connexion, je vous le dis. Hein. Je peux pas les voir plus grands là, le monitoring de Twitch là, je peux pas le voir en plus gros. J'aimerais bien le voir. C'est très bizarre. Non mais regardez la technique de la rankine, c'est que regardez, tout de suite, on commence à attaquer un petit peu ses côtes, et tout de suite, tac tac tac, elle remet ça sur quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Vous voyez la technique? C'est terrible, hein.
Et d'ailleurs, qui se sert du... qui fait de la mécanique avec une clé molette? Personne fait ça. C'est la meilleure, c'est le moyen de niquer une vis. Non mais vous avez vu ça quand même. Mais en plus le rôle va devoir être casté en plus. Méfie-toi la Hawking, dans pas longtemps je vais lancer un sondage. Mais tu vois, il faut jamais faire ça. Ça. La clavette est faite pour taper dessus, exactement. Voilà, on reconnaît les gens qui se font de la mécanique. Normalement, la clavette, c'est pas fait pour serrer, c'est fait pour taper. Quand ça se passe mal, tu tapes avec la clavette. La vache. Bon, attendez, ça va peut-être couper, hein. C'est en train de délirer à mort, là. En 2 minutes, j'ai perdu 25%. Et je peux pas changer les paramètres de stream. Putain, quel logiciel de merde. Ah ouais, il y a le message d'alerte qui s'est activé en rouge en bas du stream en disant « Attends, warning, 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 c'est en train de... ça va crasher » et là c'est reparti. Tu finis dans le pare-brise. Voilà, là franchement, là ça mériterait un coup dans le pare-brise, là. Ça fait une semaine que ça commence à m'agacer, ça. Les problèmes de connexion, je commence à saturer. Parce que, putain, on a pas eu de problème pendant 3 mois, et là, depuis 15 jours, ça arrête pas, quoi. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de tester plus que ça, quoi. Ça me prend un temps fou à tester les connexions. C'est bizarre quoi, là j'ai même pas de... Il me dit que... le CD stream me dit que j'ai même pas 2 mégas d'upload et que ça c'est le bordel et il envoie à 5 mégas. C'est n'importe quoi. C'est un truc de fou quoi. Je comprends plus rien, je vous le dis. Hein. J'ai jamais eu ça de ma vie. Ouais, je sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas pareil. C'est chiant de voir que en fait, en bas, là, j'ai mon écran ici, il y a le chat. J'ai mon écran de stream, enfin mon stream deck, enfin mon stream, hein, mon de stream. Et en bas, tout en bas de l'écran, tout est rouge. Et ça arrête, et tout est, bah, ça, voilà, ça recommence. Ça clignote en rouge tout le temps, parce qu'en fait, il y a tout qui est en rouge. Et c'est stressant parce que c'est je passe 2 heures par jour, 2 à 3 heures par jour à faire des réglages en tous les sens. Je vais dans les chats, les forums, les machins et tout. Je l'appelle Bouygues, je l'appelle machin. Ça me consomme du temps et je comprends pas. Ouais. Et c'est chiant de vivre avec un problème de technique quoi. Et au final, bah, comme en plus ça arrive en début de stream, à chaque fois ça me casse l'ambiance quoi. Donc, et là ce soir c'est parti. J'ai baissé les débits et là ce soir c'est vénère ce soir. Là je vois, il me dit que c'est comme si j'envoyais 2 mégas. Mais alors que de l'autre côté de Twitch, il me dit que j'envoie 3 mégas et que je peux envoyer jusqu'à 5. Pourquoi je suis complètement perdu. C'est... Non, j'ai tout coupé. Pas pour dire, j'ai même coupé tout ce qui est en Wi-Fi dans la baraque, quoi. Mon Google Home, tout est éteint. La PS4, je la lance toujours avant le stream pour pas qu'il y ait de mise à jour. Pendant le stream, donc il n'y a pas de mise à jour. Windows, j'ai forcé la désactivation des mises à jour de Windows. Donc, et c'est l'upload qui déconne, c'est pas le download. Et la seule chose qui upload, bah, c'est le logiciel de stream. Hein.
Et je le vois dans le monitoring de Windows, dans les connexions, ce qui part, ça correspond à ce que j'envoie, mais c'est complètement aberrant, quoi. Ce qui me dit qu'en émission, il me dit qu'en émission, j'envoie que 2 mégas, c'est-à-dire que j'envoie. Normalement, en émission, je devrais envoyer beaucoup et ça devrait pas passer. Et là, il me dit que j'envoie pas, il me dit que j'envoie que 2 mégas. C'est faux. C'est que je devrais envoyer 2 mégas à Twitch et ça devrait bloquer au niveau du modem, pas au niveau de la connexion réseau. Là, il me dit que c'est la connexion réseau, donc c'est ce qui sort du PC est déjà pas suffisant par rapport à ce que je dois envoyer. Techniquement, c'est pas possible. Ça devrait bloquer dans le modem, pas au niveau de la connexion ici. C'est incroyable, c'est incompréhensible. Et là, ce soir, hein, et plus la soirée passe, là, plus ça avance, plus c'est vénère. Plus je perds de plus ça drop à mort. Non, non, j'ai regardé pirater, c'est pas possible. Je vais regarder, hein, mais je vais couper le Wi-Fi de la box. Parce que là, on est sur la PS4, donc la PS4, je peux jouer déconnecté contrairement à la Xbox. C'est pas un souci de carte réseau. Ah, c'est possible, hein, c'est possible, hein. Non, c'est peut-être que. Mais ça ne veut pas qu'il n'y ait pas de problème là, dans la journée. Bah, délirer, comme je dis, ça me bouffe le moral, hein, ces histoires de connexion. C'est incompréhensible, ça dépasse. Ça, je comprends pas. Parce que là, en plus, le temps est nickel, hein. Attendez, ça risque. Attendez, là, on dit. Attendez, ça risque de ramouiller un tout petit peu, ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Je suis en train de tester, faire un test de connexion. Ah ouais. Ah ouais. Ah, attendez, je vous lis d'un oeil, hein. Ah ouais, non, il y a bien des problèmes. Non. Ouais, non, il me dit que j'ai bien 30 mégas d'upload. Le download est un petit peu saccadé, mais ça, c'est normal parce que je. Parce qu'il y a des trucs qui tournent en même temps, mais. Bon, bah. On va prendre soin de la patience. Hein. Là, c'est en train de se dégrader de plus en plus. Hein. Là, il me dit bah, j'envoie 1 méga 8. Ah ouais, non, on dit ça me bouffe le moral tous les soirs. J'aimerais bien vous proposer quelque chose de nickel et techniquement j'ai le matos, hein, j'ai la connexion, j'ai le matos, je paye cher, je paye 42 euros internet, hein, pour avoir une connexion qui tienne la route, hein, et elle a tenu la route depuis le mois de juin. Ça, je vous dis, hein, ça me les brise. Hein. Ah, en fait, ouais, Gaëlo, le problème c'est que si en fait il y a une saturation de l'antenne réseau, ou s'il y a un bridage volontaire de la part de Bouygues ou je sais pas quoi, ou s'il y a une saturation des serveurs Twitch, je peux le tester que quand ça se produit, c'est-à-dire qu'entre 20h et 22h, pendant les heures, bah, c'est là où ça peine, où ça merdouille comme là, bah, comme là quoi. Et même pas, c'est entre 21h et 22h, parce qu'à 22h ça repart correctement, et à 20h45, juste avant de lancer le stream, je teste. Et test, ça marche nickel. Donc ça se passe vraiment, vraiment, vraiment entre 21h et 22h. Et pourquoi une heure? Pourquoi il y a une heure de saturation sur le réseau? Pourquoi ça dure depuis une semaine?
Ouais, c'est ça. Ah non, non, je. Non, ce que en plus, c'est ce que j'avais dit. Tant que ça fonctionne, je ne touche à rien. C'est justement ce qu'il faut surtout. C'est, je veux pas toucher au paramètre dans tous les sens, quoi que ce soit, parce que c'est la meilleure solution pour foutre en l'air son stream. Bah, je sais que c'est pas ma faute, mais le problème c'est que bah, vous subissez et en plus, bah, en plus vous subissez que le stream est de mauvaise qualité et que en plus vous subissez ma mauvaise humeur qui s'installe. Ça me bouffe. Ça me bouffe parce que j'ai horreur de ça, quoi. Genre ça, parce que ça ne devrait pas arriver. Enfin, on est en 2021, on a des technologies qui sont censées être performantes et elles ne le sont pas parce que. Parce qu'elles ne le sont pas, quoi. Et c'est pas normal, quoi. Et encore eux, j'ai lu un article qui est sorti il y a pas longtemps où il montrait par exemple que par exemple chez Free, la 4G Free est toujours aussi performante qu'une 3G et enfin non la 5G c'était là, il montrait la 5G, c'est la 5G de chez Free et aussi par contre qu'une 3G chez les autres opérateurs pour vous dire heureusement qu'on n'est pas chez Free. Non, tout est clean, hein, au niveau du monitoring, tout est clean. Hein. À part le stream, il n'y a rien d'autre qui part sur le réseau. Et sur le réseau, parfois j'en vois que 2 mégas, parfois j'en voyais plus, parfois j'en voyais moins. Là, j'en vois 1 méga. Et ça monte à 2,7, à 1. Les autres jours, ça montait en pic trop haut, et maintenant, ça descend trop bas. Autant, hier, c'est un autre problème. Hier, j'en voyais trop, beaucoup trop. Et donc ce qui faisait que bah, ça montait, 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 ça crachait, ça montait trop haut, et après derrière ça saturait et ça redescendait. Et là aujourd'hui là, c'est différent. Là ça descend, descend trop bas, trop bas, trop bas, trop bas, trop bas, trop bas. Ça, il y a une alerte, hop, et ça remonte. Et là c'est exactement ce qui se passe. Genre là je descends à 2 mégas, 1 méga, et après hop, ça remonte direct, ça remonte à 3 mégas, 3 mégas, 4 mégas, hop, et ça va descendre. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Et techniquement, ça devrait pas le faire. Et vous verrez la courbe de Twitch, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ça fait ça tout le temps. Il y a zéro régularité. Bah, il y en a plus hein, d'amis anglais. Il y a plus que Mikey Kans. Mais c'est un. Je comprends pas. Donc ça, vivement le week-end, hein, que ce soit le week-end enfin que je vous abandonne pendant 2 jours parce que je vais devoir tout monitorer, tout tester, tout faire des tests de continuité sur les fils électriques. Je vais devoir tout faire. Hein, j'ai pas d'autre choix. Hein, j'ai pas d'autre solution. Donc je vais y passer peut-être 2 jours, mais je vais faire ça pendant de 20h à 20, de 21h à 22h tous les soirs. Je vais devoir prendre les 2 soirs que je serai dispo faire ça parce que je peux faire ça que pendant ces périodes-là. Ça me les brise. Hein. Je vous le dis, ça me les brise. Là, ça commence à me saturer énormément. Je commence à vraiment avoir plein le cul. On peut pas utiliser Mako. C'est une cour en 4G. Tu peux pas l'utiliser. En fait, elles peuvent fonctionner. C'est une carte SIM, hein. Donc la carte SIM, c'est un numéro de téléphone en fait que tu utilises. Donc techniquement, tu peux pas. Et là, ma 4G est coupée. Enfin, mon Wi-Fi est coupé. Donc techniquement, il faudrait que quelqu'un aille dans mon couloir, se brancher sur mon Switch ou mon hub. Je sais plus. Non, je peux pas. Parce que je suis connecté sur Internet. Si j'avance l'heure, il va m'envoyer chier. Je vais tester, hein, je me demande si c'est pas un effet de saturation de la borne. Hein. Hein, je peux pas, il me dit que c'est impossible. Ouais, donc c'est très 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 bizarre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Les problèmes des premières réseaux, j'en ai eu toute ma vie. Hein, enfin, tout le monde en a eu toute sa vie. Hein. Mais d'habitude, avec Bouygues, c'est simple. Hein. Bouygues, c'est une journée par an, enfin une à 2 journées par an. Vous avez. Ça marche pas. Mais ça arrive toujours le week-end. Hein. Vous avez une connexion qui est dégueulasse ou plus de connexion. Mais autant de temps, aussi longtemps et aussi chiant.
Bah ouais, je vois pas ce qui aurait changé. Ballon d'eau chaude à 21h à 22h. Je sais pas, parce qu'en plus, moi j'ai un accès direct. Hein. Le château d'eau, il est juste là, en fait, au final. Il y a juste deux jardins à traverser. Hein. C'est des jardins, il y a rien d'autre. Hein. Et en hiver, ça limite les choses. Il n'y a pas d'arroseur. Il n'y a rien de particulier, quoi. Je sais pas. Le problème, c'est que c'est ça, comme je vous dis, hein, je peux pas tester pendant que je suis en stream. Donc, faut que je teste vendredi et samedi. Hein, faut que je trouve du temps vendredi et samedi. Entre 21h-22h pour aller monter dans notre grenier, tester d'autres paramètres de stream, tester d'autres paramètres d'antenne. Je sais pas trop. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que, bah, comme je disais, il y a des mecs de Twitch sur les forums de Twitch qui m'ont donné un coup de main pour modifier les paramètres, pour les optimiser. Ça marchait nickel au début du stream. Mais quand je dis nickel, c'était nickel. Hein. Ouais, mais quand même, j'ai pas de nouveaux voisins, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a rien de particulier qui a été fait. Hein. Ouais, j'ai reset la box. Hein. À chaque fois que j'ai un problème, je resetais. L'autre soir, là où je me suis reconnecté 40 fois, j'ai pas réussi, je l'ai reseté je sais pas combien de fois la box. Hein. La box, j'ai vérifié si elle était à jour, s'il n'y a pas une mise à jour. Je regarde les logs de la box, il y a zéro problème sur les logs de la box. Elle dit pas qu'il y a des paquets perdus, elle dit pas qu'il y a quoi que ce soit. Elle dit juste, là, comme là, il y a une micro-déconnexion, bah, elle l'a noté. C'est une micro-déconnexion, carrément. Hein. Donc, c'est. Je sais pas. Je sais pas. Ah non, ma rue, il n'y a personne. Hein. Il y a ma rue. Il y a des champs, il y a des champs, il y a des champs, il n'y a rien. Ah, ça c'est pas de mauvaise idée. Est-ce que je peux regarder moi, mais moi je l'avais pas avant cette limitation. Attendez, on va aller voir, on va aller voir. Est-ce qu'ils en ont eu marre que je consomme 10 Tera par mois? Ils ont changé leur système de logging encore. Le site de Wix, c'est quelque chose. Hein. À chaque fois que je me connecte, ils changent leur site. Ils changent leur site et ils modifient les paramètres des trucs dans tous les sens. Et à chaque fois, c'est un enfer. Détail de mon offre. Alors. Bah, c'est clair, il n'y a rien. Alors, on va garder. Non, il n'y a rien sur le site de Wig. Hein. Je peux pas. Je suis bien écrit limité. Non, il n'y a pas d'option. Non, c'est je vous dis, c'est très très bizarre. Ouais, je veux bien, Galou, je regarderai. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite pause pipi. On va arriver à 22h, donc ça va être bon après. On va pouvoir streamer correctement. Mais c'est. En fait, sur le forfait 4G, j'ai rien, quoi. J'ai pas d'option particulière. Je savais même pas que j'avais droit à la télé sur mon forfait 5G. Je savais même sur mon forfait 4G, je savais même pas que j'avais ça. Non, il n'y a rien de. Ah, attendez, il y a ça. Ah, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je suis en stream. Ah putain! Mais bon, ça va pas résoudre quoi que ce soit, mais.
Attendez, je regarde juste. Tac, 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 tac. Non, mais ils me prennent vraiment pour un con. Ah, ok, bon. Ah non, là, c'est n'importe quoi. C'est pire qu'hier. Hein. Non, oui, généralement, t'arrives à les joindre. Hein. Oui, t'as toujours, en fait, c'est, tu dis toujours, ils te rappellent. Non, mais en gros, ils me disent que je peux tester. Je peux lancer un test. Test directement de. En fait, c'est Bouygues qui va lancer un test dans l'autre sens. Ah, ouais. Il me dit que je ne peux pas. Ok. Ah, ça me fait chier. Parce qu'il veut m'imposer un. Ouais. En gros, il me dit, vous ne pouvez pas faire de test de votre connexion car le modem que vous avez indiqué n'existe pas. Modem qui est fourni avec l'abonnement. Super. Hello Lucas. Ouais, le nouveau sortir, il est déjà disponible à certains endroits, hein, si tu veux, en qualité horrible. Le nouveau SOS Fantôme, que j'ai hâte de voir, franchement, à ce qui paraît, c'est un peu trop fan service, mais ce serait bien. Actuellement, j'ai combien de ping? Bah, le problème, c'est que quand t'as une ligne qui est en consommation, tu peux pas tester le ping, il est influencé par ton débit, donc si je teste le ping maintenant, ça va être compliqué, mais je peux regarder. Je peux regarder. Attends, ça risque de déconner pendant quelques secondes, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Oui, je l'ai vu sur des sites. Hein. Ouais, voilà, ça veut rien dire, j'ai 62 ping. Attendez, là, ça va ramer. Hein. Là, je fais un test de débit complet classique, hein, rapide. Hein. Ma ping en charge, je suis à 46. En download, là, je suis. En download, je suis à 86. C'est très bien, mais on s'en fout. Et en upload, là, ce soir, je suis à 38. 38, c'est ce que j'ai toujours eu en stream le soir. Donc, techniquement, on est bien. Hein. On est très très bien. Hein. Donc, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Mais, hello Sandy. Non, c'est pour ça. Demain, on va tester avec un autre test, parce que c'est peut-être le seul aussi qui est complètement délirant, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai appris ça aussi hein, aujourd'hui, c'est que les logiciels de streaming, en fait, surtout celui-là, il est constamment connecté à son si au site. C'est-à-dire qu'en gros, le chat que vous avez ici, hein, le chat qui est ici là, ici, toutes les bannières tout autour, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un lien d'un site qui te renvoie vers, qui te réaffiche ça derrière. En gros, ton logiciel de stream, il va chercher la fenêtre et il va la rapatrier ici et il va tout faire automatiquement pour qu'elle ressemble à ça, quoi. Est-ce que le site, il n'est pas complètement saturé et ce qui fait que comme lui, il a du mal à afficher en même temps le logiciel, lui, il a du mal à afficher. Enfin, tout le monde a du mal à afficher. Et au final, bah, vous avez du mal à voir. Bah, en fait, la rouquine, c'est pas que c'est moyen, c'est le ping d'une 4G, une 4G, hein. Faut pas rêver, jouer en 4G, c'est pas bien. Jouer en 4G sur des jeux rapides, c'est pas une bonne idée. Hein. Faut pas faire du first lightning sur de la 4G, hein. Ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai hâte que la fibre arrive, parce que déjà, la 4G coûte une fortune, hein. Faut pas rêver, un abonnement 4G, ça coûte très 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 cher. Hein. Enfin, aujourd'hui, c'est l'abonnement le plus cher. Les 4G box qui coûtent le plus cher, mais il n'y a pas de et comme ici c'est soit t'as la 4G box soit t'as 1 méga donc 4G box c'est très bien et normalement c'était temporaire le temps qu'on ait la fibre. La fibre devait normalement devait arriver en ça devait arriver en no... non je crois que c'était en juin un truc comme ça c'était
Ouais, au mois de mars, c'était au mois de mars, parce que c'était avant le confinement. C'était au moment du confinement, ça devait arriver au mois de mars 2020. Ou un peu moins avant. Non, c'était en novembre, novembre 2019, c'est ça, c'est novembre 2019. Mars 2020. Ah, je sais plus. Bref, ça fait plus d'un an que ça devait arriver. Ils avaient même commencé à dans la rue à ouvrir, ils avaient ouvert toutes les trappes à égout pour commencer à passer, ils ont commencé à passer les fibres et tout, mais c'est raccordé nulle part parce qu'au final sur la grande route, hein, il y a une grande route, hein, une départementale, hein, ils ont bah, les travaux pour faire les tranchées tout ça se sont arrêtés à cause du Covid. Et depuis bah ça a commencé à reprendre. Et vous connaissez les travaux publics, hein, faut. C'est pas trop vite le matin et doucement le soir. Et s'il y a un arrêt, vous inquiétez pas. C'est un arrêt prévu qui sera traité comme un arrêt imprévu. C'est complètement dingue, quoi. C'est-à-dire que toutes les entreprises. En plus, c'était du BTP, travaux en extérieur. Et les gars, ils ont arrêté le boulot. Enfin, des entreprises ont fait arrêter le boulot. Ouais, je sais, la Hawkins, je sais, la Hawkins, c'est pas, je sais qu'il faut un peu de temps, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tous les villages qui sont à 10 km sont déjà raccordés en fibre. Ils ont tous une fibre qui est très correcte, hein, c'est une fibre à 500 mégas. Hein. Les gens en moyenne ont 200 mégas dans les autres villages et tout. Et nous, on est au milieu, t'as un maillage qui est tout autour. En fait, quand tu regardes la carte, t'as tout le maillage autour qui a la fibre, et nous, on est au milieu de ce maillage et on n'a pas la fibre. Parce qu'il y a une route, il devait tracer le long, et qui devait relier tout le maillage et le fermer. Voilà, ça n'a pas été fait. C'est ça, et ça n'a pas été fait. Et là, donc, je vous dis, bah, là, ils sont à 3 km de chez moi, à 3 km du village. Et je peux vous dire que je crois, sans mentir, parce que je les ai vus aujourd'hui, hein, ils étaient à la buvette du village quand je suis passé, je suis passé à la poste. Et quand je suis revenu, je les ai vus, c'était à la buvette du village. Regardez, là, on arrive à 22 h, c'est bon, le stream s'est stabilisé. Mais j'en vois quand même toujours à 5 mégas, c'est pas normal. Hein, faut que vraiment, que il y a vraiment un problème. Hein. Et je regardais, je me suis dit, bah, tain, je suis parti après 14 h parce que j'attendais le livreur et tout. Et je me dis, mais attendez les gars. Justement, après 14 h, ils étaient à la buvette, enfin, la caf, enfin au bar hein, du village. Après 14 h, je me suis dit, mais les mecs, ils bossent quand? À quelle heure? Et donc après, bah, sur la route, je passe devant pour aller à la poste. Je passe sur la route, mais je suis fait, bah, la semaine dernière, ils étaient au. En fait, ils sont arrêtés à un panneau. Il y a un panneau. En fait, il y a un virage serré. Il y a une main qui est écrit attention, faut ralentir. Et ils étaient avant le panneau. Ils sont toujours avant ce panneau-là. Il y a une semaine. Je fais mais c'est. Je regarde. Attends, mais je fais. Ouais, c'est délire. Je fais. Tu m'étonnes qu'ils trop. Tu m'étonnes qu'ils ont un an et demi de retard, quoi. Tu fais. Mais les mecs, en une semaine, ils ont pas dû faire 1 mètre. C'est. Alors je pense qu'ils sont payés en jour. Enfin, leur patron se paye en jour, donc peut-être qu'ils grattent un petit peu dans le contrat parce qu'ils ont été payés tant de jours. Enfin, je sais pas comment ça marche, hein, le bâtiment, les travaux publics ou les grandes infrastructures routières ou les retouches comme ça. Mais en fait, et ce qui est très drôle, c'est que t'as en fait un parking qu'ils ont clôturé. Enfin, c'était un arrêt, hein. Enfin, un truc. Enfin, même pas un arrêt, hein, c'était une piste avec du gravier. Et ils l'ont grillagé et t'as toutes les gaines de fibres qui sont là, alignées, les énormes tonneaux avec les machins enroulés, ils sont là, ils attendent, et t'as les engins de chantier, les trucs pour faire les tranchées qui sont là aussi et tout, et ils bougent pas. Et tu fais, mais qu'est-ce qui branle les mecs? Qu'est-ce qui branle? Oui, tu dis, tu m'étonnes qu'en France on est en retard sur le déploiement de la fibre par rapport aux autres pays européens. On a un vrai problème de toute façon avec les travaux publics en France, hein. Que ce soit pour les routes, pour ça, ou quand ils refont un truc dans quand ils te refont un truc dans la rue, puis 2 semaines après il y a une autre société qui vient, qui te redéfonce tout pour refaire un autre truc. Tu dis mais ouais non c'est un truc dingue. C'est les travaux publics, moi c'est un truc qui me fascine. Hein. Je vous le dis, un truc qui me fascine, c'est comment ils font pour comment ils gèrent ça. Ouais, ah ouais, à mon avis, ça va être très drôle, déjà, à mon avis, hein, parce que moi, c'est toujours un truc qui m'a fasciné. C'est pareil, à l'entrée, quand tu arrives à la grande ville, il y a un échangeur, ils sont en train de faire un échangeur pour décharger une route. L'échangeur, ça fait 2 ans.
deux ans qui sont en train de faire un rond-point. Ah ouais? Ah bah mince, c'est con ça, GG. Parce que moi, c'est différent. Moi, quand je suis arrivé, bah. Ouais, on va peut-être aller faire pipi. Hein. Moi, il n'est pas 22h chez moi, il est 21h58. Mais tu vois, là, la connexion, elle est beaucoup plus stable. Elle commence à être stable. C'est un peu bizarre encore, mais ça commence à être. Elle varie beaucoup moins. Mais demain, on changera le logiciel. Hein. Ah oui, je le vois direct. Ah bah, c'est. Regardez, c'est flagrant. Hein. Regardez. Je vais vous mettre ça, vous allez le voir tout de suite. Regardez. Si vous, mais, je sais pas si vous voyez très bien vous sur vos écrans, mais regardez. Là, c'est tout ce qu'on a eu pendant la soirée. Et là, on arrive à 22h. Regardez. Regardez la différence tout de suite. C'est stable. Ça commence à être stable. Là, c'est n'importe quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait on-off. Là, c'est le débit max hein, que j'ai envoyé, hein, donc 3,5. Hein, donc, je vous dis, c'est nickel. Tac, 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 tac. Et c'est on-off. C'est un coup, il y a du débit, un coup, il n'y a plus de débit, un coup, il y a du débit, un coup, il n'y a plus de débit. Et là, hop, on arrive à 22h. Et là, regardez. Tout lisse. Ça commence, c'est lisse. Vous avez vu, c'est très perturbant. Et tous les soirs, c'est pareil. En fait, il faudrait que je commence, je te stream à 22h maintenant. Mais il serait suffisamment. Dingo, pour qu'à 22h, ça décale de 22h à 23h. Et je vous dis, et moi, de 20h à. Juste avant le stream, je fais des tests de débit et c'est parfait aussi. Y a rien. Je fais même des streams, ce qu'on appelle des mises en cache chez Twitch. On peut faire ça. C'est des streams qui sont pas visibles pour vous. Mais en fait, j'envoie comme si je streamais. Et ça marche nickel. Bah, on l'a vu au début du stream, hein. Jusqu'à 21h, il n'y avait pas de problème. Donc de 20h45 jusqu'à 21h, pas de souci. Et 21h00, 22h00, c'est le bordel. Et après, nickel. Une heure, il y a une heure où ça ne fonctionne pas. C'est un truc de dingue. Bah, je sais pas, y a pas de société chez moi, donc je sais pas là, Okid. Après, je pense que oui, hein, soit son ici, on est soit 4G, soit la truc, hein, soit la. La formule à découvrir. Ah oui, si mélange. Ah oui, s'il y a de l'administratif pour du bon sens, hein, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Mais ouais, c'est peut-être qu'il y a un gros consommateur qui est là, hein, mais je sais pas, je sais pas, mais c'est très très, vous avez vu, c'est très précis. Et là, regardez, maintenant, bah maintenant je vois le diagramme, il est nickel. Et mon débit maintenant il est nickel. Il est d'une stabilité incroyable. Enfin, presque stable. Il est pas mal. Non, non, c'est très très bizarre. Très bizarre. Mais hein, on va y arriver un jour. On va y arriver, mais bon, c'est vrai que ça cache un petit peu le début du stream et ça me trigger. Hein. Je vous dis, ça me trigger de voir ça en bas qui clignote en rouge dans tous les sens. Ça me trigger à mort. Mais ouais, c'est bizarre. Bon, en tout cas, on fait une petite pause pipi et après derrière, on va attaquer le jeu vidéo. Et puis on verra ce qui se passe. Hein. Et puis je dis, demain, on changera le logiciel. Je ferai et vendredi et samedi je vais faire plein de catalogues de connexion, des tests de charge pendant les heures critiques pour vraiment savoir d'où ça vient, isoler un par un tous les composants qui peuvent genre un modem 4G, je vais demander à mon voisin qui me prête le sien parce que lui aussi il a 4G. J'ai demandé qu'on va changer les modems, je vais utiliser mon PC, un autre PC pour faire des tests de charge, voir si ça vient avec l'autre PC, si c'est mon PC qui a un problème de carte vidéo, je vais changer le câble réseau, je vais changer l'antenne, je vais utiliser les antennes intérieures, enfin je vais tout tester et je vais éliminer un par un, mais j'ai qu'une heure par jour et c'est pendant que je stream. Ouais, c'est ça, Galo. Et puis faites des dons pendant la pause, comme ça on montrera que c'est la pause la plus utile de Switch. C'est là où le Twitch est le plus rentable, c'est quand je travaille, c'est quand je fais rien. Non, non, mais ouais, ça m'interpelle quand même, cette histoire quand même. Ça. D'ailleurs, j'ai grave envie, hein, donc on y va, on se fait petite pause pissou, puis on se retrouve juste après. Ça vous va? Vous n'avez pas le choix. Mais par contre, ce qui m'énerve, c'est que je comprends pas pourquoi ma connexion elle monte à 16. Elle monte pas à 16. Ça, c'est le nombre d'erreurs que j'ai à la minute. Mais c'est le nombre de. C'est le nombre de.
Elle monte à 5 mégas en upload sur le stream, alors que je dois pas monter. Je lui ai demandé de pas dépasser 3,4. Et il monte toujours plus. Et ça, je sais pas d'où ça vient. Donc je pense qu'avec le logiciel, j'espère que j'aurai pas ce problème-là. C'est très bizarre. Ok. Allez, à tout de suite. Petit pissou, puis on se retrouve juste après. À tout de suite.
va essayer de jouer dans des bonnes conditions quand même. Et la caméra, faut revenir. Donc, ouais, donc, désolé, j'étais en train de lire sur les forums. J'étais parti sur les forums Bouygues et tout, et il semblait que ça gueule pas mal, mais faut que je regarde si c'est localisé dans la même région que moi. En fait, c'est bien ce que disait. Oui, bah ça c'est normal, j'ai coupé le wifi. Mais ouais, sur les forums, il y a des gens se plaignent que le soir il y aurait des bridages intentionnels. Donc ça reviendrait parce que tu disais Gige et Gaëlo, hein, il y aurait Bouygues. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont. Mais ce qui est bizarre, c'est que le réseau saturait pas alors qu'il y avait les confinements. Donc c'est très bizarre cette histoire. Je sens qu'il y a une cabale. Bah, peut-être couper la musique. Hein. Et mettre le jeu. Boum. Ah, j'ai pas le son du jeu. C'est beaucoup mieux. Ouais, non, c'est... Peut-être que ce soit ça, mais c'est quand même assez bizarre, quand même. C'est... Il y a une vendetta. Si vous voulez passer des messages haineux sur les forums avec mon nom, n'hésitez pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a peut-être un complot. Hein. Mais je vais regarder ce soir, après le stream, j'irai lire les messages. Voilà, les derniers messages. Là, j'ai vu un message du 26 septembre de quelqu'un qui disait que son débit était divisé par deux. Et en fait, mais eux, c'est pas du tout pareil. C'est quelqu'un qui avait 200 mégas en fibre, en 4G. Et le soir, il a 30 mégas. Et donc, en fait, il peut pas regarder la télé. Donc, je regarderai un petit peu et comme d'habitude avec tous les opérateurs, c'est merci de débrancher votre machine, blablabla, le problème c'est vous, enfin, vous voyez, le truc habituel. Donc nous on devait aller, je sais... Ah, il n'est pas apparu. Ici. Un bipi très rapide. Oh bah si, ça va, 5 minutes. Plus de 5 minutes. 6 minutes. Quand même. J'ai pas tout lu, hein, tous les messages. J'en ai lu que 3 ou 4. Hein. Et je vais lire un petit peu ce qu'ils disent. Il y a peut-être des gens qui ont trouvé des parades ou des solutions ou des... Mais c'est quand même bizarre. Hein. Malgré les confinements, tout ça et tout, il n'y a pas eu de problème. Je dis même l'été, il n'y a pas eu de soucis. Donc pourquoi là, ça arrive que depuis novembre? À part la conspiration maintenant... on va changer donc du stream, hein, ça serait la conspiration... Ah que toujours, Hawking, toujours. Quand on peut faire soit ça, soit tu prends un body et tu l'ouvres à l'entrejambe, hein. Ça marche aussi. Hein. Attendez, hop, on va prendre le grappin. Demain, je vais prendre le temps de travailler dessus. De toute façon, demain, tout ce que j'ai à faire. Demain, j'ai pas prévu de sortir, donc c'est bon. Et sur la BMW, demain, je vais juste mettre la batterie. Je vais la laver un petit coup. Parce que je vois. Elle est tellement de poussière que je vois plus rien à travers les vitres. Et je vais faire la révision pour essayer de la faire rouler. Oui, c'est vrai, il y a ces fous furieux là. Aïe! Il me tirait dessus. Je tiens à plier.
Comme si j'ai du temps, j'en profiterai pour leur mettre des bouillies, tiens. Ça me fera plaisir. Je vais leur gueuler dessus, ça fait toujours du bien. Ça c'est fait. Non, on va s'occuper des snipers. Non! Voilà, franchement, si tes chats ils vont. Si tes chats ils vont sur les vies de la BMW, ils vont avoir le cul sale, hein, je peux te le dire. Aujourd'hui, les vitres elles sont tellement dégueulasses. Allez là, recharge! Oh là là! Il a toujours pas fini de recharger? Ah, c'est bon. Là. Quoi? Mais... Tourne! Hein? Il vise les oiseaux. On va pas y arriver, hein. Je sais, mais je mettrais du piment. Bon, ça, quand ils se brûleraient le trou de balle. Ah. Ok. Il vit ça. Où c'est mis ça? Ok, bon, bah allez, on va visiter. Hein. Cette petite ville là. Alors. Aïe! C'est très drôle quand tu regardes la voiture de la Swing with the Mate. C'est très drôle, tu vois les pattes de chat, mais tu sais, t'as deux rangées. Hey. Allez, faut crever, hein. Sans déconner. On a, ça c'est un harpon de feu. Non, c'est pas ça un harpon de feu. Ça c'est un harpon de feu. Ok, ça c'est cool. Ok. Oui, il m'a tatané. Non, pas une tempête en plus. Allez, mais... C'est un à la fois. Allez. C'est clair qu'ils sont mignons, ces petits chatons à domaine, mais... Mais ça n'empêche pas que... Ils sont affreux. Voilà, c'est ça les tempêtes de sable. Et ça quand t'as une voiture, bah tu te prends des voitures.
Attendez, il y a un truc ici que j'ai pas vu. Non, c'est bon. Ah, c'est compliqué, parce qu'on voit plus grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ou des munitions? Mais il est où? C'est un petit peu brillant aussi, hein. Voilà. Il tangue le max. Oh, à mon avis, il y a un boss. C'est costaud lui, hein. Il s'est pas laissé faire. Hein. Merci la Rockine de respecter. Pour une fois de respecter le dictateur du chat, du stream. Ouf, petite bouchette. Là, toi, oh, c'est chaud. Parce que, en fait, avec le vent, il se déporte le perso. Mais non, c'est juste que les problèmes de connexion, ça mine le moral. Ah bah c'était là. Ah bah là, ça me ferait gagner du temps si j'avais ça. Le problème, c'est pas les, c'est pas le ponçage de la carrosserie, hein. Non mais le problème, c'est que ça ponce aussi les vitres. Galactica, Galactica. Laquelle, la série d'origine, Rockin? Non, 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 non. Oh,
nouveau, ils ont sorti un nouveau Galactica. Ah, je regarderai un petit peu. Ok, on fait ça. Il y en a un autre. Ok, récupérer 60 ferrailles. Utiliser le garage pour installer les animations pour la diablesse. Ils sont chiants avec ça, à vouloir absolument que tu débloques que tu fasses des voitures pour eux. Donc ça, il faut que tu installes ça. Installe ça. Ouais, non, mais par rapport à l'autre, il est beaucoup plus. Il n'y a pas des sbires avec. Ouais, il est beaucoup plus simple. Tac. Faut qu'on enlève les pneus. Alors, je ne comprends pas trop là ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Il faut que je configure la voiture moins bien que celle que moi, comme elle est la mienne. J'ai pas compris. C'est pas Tommy? Ah non, les pneus. Ok. Ah d'accord, faut que je fasse une course à la mort maintenant avec, avec ça. D'accord. Ah Battlestar Galactica, oui, il y a du taf hein, à tout voir. J'ai pas tout vu, moi j'ai pas fait toute la série. Hein. Je crois que j'ai pas vu la fin. Je crois qu'il manque la fin. Parce que c'était mon frère qui les avait. Et il m'avait pas donné la fin. So exalted, so wondrous. Let us to the O-ring and race. Ok, faut que je parte avec une voiture moins bien que la mienne pour faire une course. Allez. Et donc là, il faut que j'aille. Chaque fois, je vois pas le point. C'est là, hein, faut que j'aille. Non? Faut que je retourne là-bas. D'accord. Bah moi, c'est moi je mets du temps à les regarder les séries, c'est très chiant. Ou sinon je sais ce que je fais de mec, moi je me les regarde en VOD, mais tu sais je m'en aligne trop deux ou trois en fonction de la durée de l'épisode et puis comme ça j'en fais comme un film. Mais c'est très rare que j'arrive à suivre une série. Hein. Il y a plein de séries comme ça que j'ai abandonné que j'ai pas vu en entier. Allez, reste là. Je crois que la dernière série que j'ai réussi à voir en entier, c'est The Mandalorian. Mais ça va, elle est à peu près. Elle est pas très très longue au final. C'est même ça qui est chiant, l'épisode dure 30 minutes à peine. Allez.
Non, bah, je trouve ça, c'est normal, hein. La série elle a pété pour être bonne. Après, moi ce qui m'avait sauvé dans. Ce qui fait que Battlestar, j'ai mis du temps à tout regarder aussi. C'est qu'un, les épisodes sont longs, il y a beaucoup d'épisodes verbeux. Plus, on voit qu'il y a des épisodes parce qu'on a. Ça fait 13 années, série des années 80 où. Où on fait 2-3 épisodes avec, on met toute la thune et après derrière il n'y a plus rien. Voilà, faut que je suive la route. Je la connais pas, Kobe, je connais juste de nom, mais jamais vu. Waouh. Juste là, on va aller voir ce qu'il propose. Peut-être du loot. Ah, super. Oh, petit astico. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, l'astico. Il brille un peu trop cette voiture. Voilà. Par contre, maintenant à conduire, elle est. Elle a tendance à partir un peu vite. Ça, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, toi, hein. Ça, c'est pour faire monter la spéculation le jour où tu vas le vendre sous blister, c'est ça? Ah, faut gagner la course carrément. Oh, ça va être un enfer. Vous me connaissez, moi, les courses. Hein. Si c'est pas une Peugeot 207. Hein. D'ailleurs, j'ai pas rejoué à Forza. Il y en a qui ont rejoué à Forza un petit peu. Prisonnier, je me rappelle même pas. Je sais que ça passait sur M6 quand j'étais tout petit, mais. La fameuse série du samedi après-midi, là. J'ai pas plus de souvenirs que ça. Ce week-end, ça va se serrer. Ah la vache. Et dis-toi, il manque une seule voiture de grange. Devine, c'est laquelle? La Ford RS Cosworth, mais je l'ai pas acheté celle-là à la Ford Escort. Faut que j'aille tâter de la Ford aussi. De toute façon, j'ai pas joué depuis lundi, je crois. Bah, depuis le stream. Ouais, c'est ça, la 4L. Ouais, ça c'est avec le numéro, avec la sphère là qui les traque partout. C'est ça le prisonnier de mémoire. Ouais, trop bien. Je l'ai pas celle-là en plus. Je crois pas que je l'ai la froide, l'escorte. Ah, vous sont... ah si, c'est l'escorte qu'on a au début ça. Welcome you to the circle of light. To the circle of the brave, the skilled and the quick. You've come very far.
Et on manque 3. Ouais, moi c'est la misère quoi. Je suis sûr qu'elle va se débloquer dans un truc spécial et tout. La 4L, ça va être une misère à voir, je suis sûr. C'est la voiture la plus pauvre du jeu, ça va être la plus dure à voir. Racing, son, is a many splendid thing. There are some who come to Crow Dazzle for the glory, to beat the baddest the wasteland can muster, and have their names ring out in fireside tales of bravery for ages to come. Bah, c'est une 4 roues motrices, hein, puis c'est... Ouais, l'escorte est vraiment bien. Hein. Mais... Méfie-toi, parce qu'il y a des voitures... J'en vois parfois en course. Putain, mais tu roules avec quoi aussi? Parce que pourquoi ça, c'est quoi? C'est une classe D ou un truc comme ça en voiture. Choisis la course. Ok, bah faut faire ça. J'ai pas le choix, c'est la quête. Ok, on va faire une course. Ça va mal se passer, c'est sûr. Voilà, ça commence, mais bouge-toi! Putain, ça commence! Je suis tombé sur ce neuneu qui s'est pas roulé. La 5 elle est très bien. Hein. Ah oui, et faut pas oublier, dans ce jeu-là, il n'y a pas de frein à main. Hein. On va tricher un petit peu. Hein. Non! On recommence, y'a pas le choix. Hein. Ah, on peut pas recommencer la mission! Oh, la voiture elle est inconduisible. Point de passage manqué. On peut pas recommencer la mission là. On peut pas. Ah hein. Oh, quel jeu de merde. Comment ça, point de passage manqué? Putain. Il y a un bout de béton. Ah, il faut vraiment exploser ça. Ah, faut le savoir. Et ils sont super loin maintenant. C'est pas grave, on va recommencer. Ah, la voiture elle est inconduisible. Dès que t'accélères, elle donne des effets de couple et elle se déporte à gauche ou à droite. C'est assez désagréable. Les courses. Hein. Parce que en plus qu'il faut gérer la trajectoire, il faut gérer aussi que comme... Oh toi. Il faut aussi gérer le fait que comme la route est déformée, la voiture elle part à gauche, à droite. Mais non, mais pourquoi que... Faut aller où là? Je sais même pas où il faut aller. Je suis plus sur la piste là, je crois. Hein. Bon, de toute façon, on va recommencer. Hein. Ouais, ça c'est comme une vraie ricane, mais tu dois gérer en plus le fait que la piste est déformée. Je crois que je me suis égaré, je crois. J'ai pas suivi l'itinéraire. Mais tu dois en plus ouais, gérer le fait que la route est déformée. Et que la voiture elle sautille dans tous les sens. Ouais, c'est mort, c'est pas là qu'il fait passer. Et ouais, non, c'est très très chiant à conduire. Et elle tourne
Enfin, c'est. des suspensions chewing-gum, quoi. C'est. On va réessayer, pas choix, de toute façon, hein, c'est une mission. Donc, pareil, hein, comme je disais depuis le début du jeu, hein, c'est l'effet Days Gone, c'est-à-dire que là, on a une course. Une course, hein. Une course hein, qui est un gameplay de mission. Enquête principale. C'est même pas un truc scénarisé. C'est pas grave. Toi, je t'éclate direct parce que comme ça, tu ne verras pas me casser les couilles. Il met toujours autant de temps à recharger, c'est chiant. Moi, je crois que le grappin, j'ai le pratiquement maximum. Là, ce qu'il faut faire. Ah, je peux pas le. Ok. Oh ! Mais ! Ne rentre pas dedans. Oh, ça recommence. Même endroit, hein. Terrible. Voilà, voilà, on reste sur la route, reste sur la route. Merde. Ah. Pourquoi t'as pas tiré? Elle est morte en plus. Putain. Ça va être chaud. Il m'a explosé ma voiture. Ah, oh, ça va être chaud. Vas-y, Calo, fais-toi plaisir. Ah, je vous dis, ça va être chaud. Hein. À mon avis, on va passer à ce point sur la course. Hein. Pourquoi il y a écrit monter dans le véhicule alors que je suis en temps de chargement? Oh, ça va être tendu. Ah, je déteste ce genre de. Ah, et puis j'ai. Ok, ok, et je refuel pas dans, en équipement entre chaque course. Un plaisir. Oh l'enculé! Culé ma pou. J'y crois pas, dès le début. Oh l'IA elle est super agressive hein. Bah c'est vraiment que j'arrive à le rejoindre. Ah, ils sont vénères. Putain, point de... Et en plus ces points de passage, il faut les éclater. C'est un... Non mais c'est un truc de dingue. Alors on a eu c'est perdu hein, mais. Et en haut il y a du. En haut il y a du temps hein, en plus hein. Avant de passer l'arrivée. Hein. On a 2 minutes hein. C'est. Oh c'est chaud. Mais. La voiture elle est inconduisible. Ah ouais non c'est. Ah c'est pas facile hein. Voilà, phase de gameplay dégueulasse imposée. On adore. Hein.
Et ça, alors t'attaques que tout de suite. Non, ça, voilà, c'est perdu, mais. Et c'est, le jeu, il sait pas faire. Hein. Là, par contre, j'y crois pas. Alors, attends, comme il m'a dégagé au tout début. Oh, il a été vénère. Hein. Mais c'est quoi ce bordel? Fais gaffe parce qu'il va me pousser encore comme une merde. Ah, par contre, je connais pas du tout. C'est chaud. Et en plus, il n'y a pas de, comme je dis, il n'y a pas de frein à main. C'est chaud. Troisième. Échoué. Ah, c'est chaud. J'ai plus de munitions. Hein. En fait, en plus, tu recharges pas tes munitions au début de la course. Ah ouais. Ah ouais. Le jeu, il est vénère. Hein. C'est ça, des sujets de diabète. Fourré à la fraise en plus. Oh là là. Toi, tu dégages. Hop. Mais tourne pas la caméra! Putain! Oh la vache! Oh, c'est abusé! C'est abusé comment c'est difficile! Oh la vache! Bon, on y était presque arrivé, hein, de toute façon, mais. Ça tourne pas! Allez. Oh, vache. Enfin, y a pas un frein. Y a pas de frein à main en plus dans le jeu. Tu peux pas glisser. T'es obligé de laisser la voiture faire ce qu'elle veut, quoi. Compliqué, hein. Je sais pas comment je vais faire. Mais arrête de tourner la caméra pour montrer les explosions, putain. On fait une course. Point de passage manqué, il y avait un faux tonneau. Le jeu me troll jusqu'au bout. Je suis le dernier, je vais aller chercher dans les coins. Oh putain! Et ça me casse les couilles. Mad Max, c'est un jeu d'aventure, c'est pas un jeu de course. Non, mais regarde ça quand tu. Vous prenez les tonneaux, ils te dégagent de la route. Mais tourne, mets-toi sur la route, putain! Ah, supportable. Bon, j'ai perdu, mais... comment je vais faire? Parce que j'ai... j'y arrive pas. Hein. Faut que je fasse le plein de munitions, déjà. Donc ça, je sais où je vais aller.
Là par contre on a clairement un problème. C'est faisable mais faudrait que je puisse les éclater. Faudrait que je puisse tous les éclater. Vraiment. Ok, ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a explosé? C'est quoi encore ce délire? Donc là on va aller ici. Ici je peux faire le plein de munitions. Pourquoi la voiture elle a explosé? Il n'y avait rien. J'ai encore toute ma vie. Là, je vais y aller comme un sauvage, hein, je vous le dis. On fait le plein de munitions. Voilà, hop. Parce que ici, j'ai le... J'ai débloqué l'armurerie. On fait le plein de munitions. Tac. C'est ça. Maintenant qu'on a le plein de munitions. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas le droit. Hop, on retourne à la course. Et les voitures, les 4 voitures, je les explose. Direct. Alors, tac, 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 ici, et le plus proche, c'est d'aller, c'est de partir, c'est de partir, c'est de partir d'ici, hein. Non, ça serait de partir d'ici. C'est assez chaud, hein. Ah la vache, ça. Ah, le jeu te laisse pas faire, hein. T'as une course, on t'impose la voiture, enfin, la configuration de la voiture, on t'oblige à utiliser tes propres munitions, donc les refuel pas quand tu perds. Et en plus, les ennemis sont vénères et le circuit est pas adapté à la voiture, quoi. Et t'as pas de frein à main. Donc en final, c'est compliqué. Oh, c'est bon, c'est pas le moment. Barrez-vous, c'est pas le moment, hein. Et tout ça pour une phase de gameplay nulle en plus. C'est chaud. Allez, mais tourne! Putain, elle tourne pas du tout la voiture, c'est terrible. Ce jeu des enfers. Allez, on arrive, on arrive. Et on recommence. Donc là, j'ai 12 machins explosifs, ça va chier. Je peux pas en débloquer des plus puissants? Moi, j'avais ça, je crois, non? Non, j'ai pas le niveau. Allez! Je tente tout, hein.
Alors je vous dis, je suis pas, je vous dis, je suis pas confiant, je le sens pas. Hein. Je sens que le jeu veut m'en faire baver. Avec une course mal branlée. Avec un gameplay mal foutu. Ça, c'est fait pour faire chier. Allez, 2-1. Et tourne, saloperie de bagnole. Allez, recharge, 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 vite, 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 vite. Enculé! Mais il m'a poussé. J'y crois pas. Ils sont fous l'agression. Allez, monte! Ah, vache! Le tonneau qui te fait bouger de... Ouais, le tonneau abîme ta voiture en plus. Plaisir. Je sais pas si je vais les rattraper les autres. Faut freiner, faut freiner. Pourquoi la caméra tu montes? Stress et à fond. Hein. Allez, allez, tourne. 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 Vache. Là, c'était pas en ligne droite, la voiture elle part en crap tout le temps quoi. Allez, allez, accélère, 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 accélère. Ah ouais non mais là en fait comme on est. C'est compliqué. Hein. Phase de gameplay. Allez, allez, accélère. Heureusement que j'ai 3 boosts. Hein. Mais bon. Mais la caméra. Vache. Ah bah t'as bien fait un trophée, regardez, le trophée il est en or, hein, pour dire à quel point c'est casse-couille à faire. Hein. Oui. Ça a pas changé ma configuration. Supportable. Merci, merci. Ah ouais, non, c'est hyper stressant, parce que le jeu, il est pas conçu pour ça, c'est pas un jeu de course, hein. Ouais, j'aurais pu acheter le moteur. Le jeu n'est pas, c'est pas un jeu de course, hein. J'ai pas les moyens, bon, ça va venir. Il t'oblige à utiliser, il t'impose des mécaniques qui sont pas faites pour ça. Enfin, ils ont mis ça dans le jeu, parce que je pense que ça part, mais ça... C'était une... pour varier le gameplay, je suppose. Hein, pour la partie, je vais la changer parce qu'elle est brillante. Elle... Hop, elle reflète. C'était pour varier le gameplay, ça je peux comprendre, mais c'est une course, c'est une quête secondaire. Ah merde. C'est ça qui est assez. C'est pas même pas une quête secondaire, c'est ça, c'est les petites quêtes comme ça. La quête qu'on vient de faire, c'est la même chose que si on faisait ça, quoi.
Ah, faut que je retourne là-bas en plus. D'accord. On t'impose une configuration de voiture, parce que ça, bon, okay, ça serait pour la quête, pour faire une mission standard. Mais il y a zéro scénario pour l'instant, c'est pas. Enfin, c'est des jeux à l'ancienne, quoi. Ce qu'on disait, c'est ce qui me saoule un petit peu, c'est ça. C'est les open world à l'ancienne. C'est que t'as pas de structure narrative, c'est. Tu lances une mission qui lance une petite cutscene, hop, ça lance la mission. La mission, c'est comme si c'était la même mission que si tu faisais un. C'est un mémo. Ça le cul entre deux chaises. Là où GTA, par exemple, hein, bah Rockstar, ils sont très forts pour ça. Hein, où t'as une structure narrative dans tes missions, quoi. Et bordel, c'est quoi ces problèmes de caméra, quoi? Bon, très problème de caméra. Le fait que t'as pas de frein à main, c'est-à-dire que t'as des virages qui sont serrés. Mais tu peux pas gérer le ton. Tu peux pas gérer. À part freiner pour ralentir, tu peux pas gérer le truc. Mais eux ils freinent pas. Donc déjà, si t'as ça en un avantage. L'intérieur est un petit peu un peu cheaté, hein. Donc tu peux pas glisser, faire glisser ta voiture. La voiture qui, dès qu'elle prend la vitesse, dans la configuration que eux ils m'ont imposée, bah elle tourne pas. Alors que la mienne la direction est bien lourde, bien efficace. La voiture qui t'a imposée ne tournait pas. Ça, je pense que c'est volontaire aussi. Enfin, tout pour. C'est frustrant. On t'oblige à prendre une voiture qui est moins bien que celle que toi, tu utilises à ce moment-là du jeu. Les petits défauts, hein, ça fait. On voit que le jeu a 7 ans, quoi. Pas forcément en termes de graphisme, les graphismes sont encore super beaux, mais en termes de conception du jeu, c'est. Je comprends pourquoi Rage 2, hein. Rage 2 c'est Avalanche Studio qui l'a fait aussi. Hein. Sur le même moteur 3D, tout ça tout, Rage 2 n'a pas marché. Ce Rage 2 est sorti il y a peut-être quoi, il y a un an? Un an et demi? Il utilisait les mêmes mécaniques de Mad Max et les gens l'ont pas aimé. Parce que s'il a les mêmes défauts. Ah bah faut aller mollo avec le tracteur, hein, Domate. Hein. Mais tu vois, je pense que s'il ferait un Mad Max 2, il faudrait qu'il le fasse vraiment orienté aventure épique. Aujourd'hui, maintenant, on est revenu en arrière, à part Ubisoft, mais parce qu'eux ils ont 10 ans de retard. Ah mais je sais pas sur PS2 mais moi je sais que sur enfin sur PS4 mais sur PC le jeu était bah, il avait les mêmes défauts, c'est-à-dire que t'étais obligé de farmer les zones pour pouvoir déclencher le mini boss. Les boss par contre étaient vraiment mieux. Pour déclencher les mini boss qui te permettaient, dès que t'avais tous les mini boss de chaque zone, de pouvoir avancer dans la quête principale. Quête principale qui était juste un couloir qui déclenchait un boss qui, dès que t'avais fini, tu devais retaper des boss et ainsi de suite et tout, et c'était à chaque fois la carte était immense mais immensément vide. T'avais pareil, t'avais plein de points. Il fallait que des points, que des points, que des points, que des points, que des trucs comme ça. C'était pas très intéressant. Et je me suis perdu. T'es par là à la sortie, non? Yes. Allez, là. Ça rendait pas le jeu mauvais, mais ça rendait le jeu fan. Ouais, t'as vu son porte-clés? Ça rendait le jeu. Enfin, Rage 2 était assez fade au final. Et il y avait ces mêmes problèmes de gameplay. Les voitures, c'était des savonnettes. Et le jeu était beaucoup plus dense en plus. Donc, ce qui fait que. T'avais une voiture qui était inconduisible dans un environnement qui était trop trop dense. Et tu me l'as mis ma boussole là à chaque fois là? Ou faut que je le fasse? Voilà. Et c'est tout, quoi. Et c'était vide, c'était exactement la même chose. Ouais, mais t'as bien fait. Moi j'y croyais tellement parce que Rage 1, il est incroyable, Rage 1.
Mais Rage 2, c'est. Rage 2, c'était pour moi. Rage 2, c'était une purge. Et toi, quand tu joues. Maintenant, quand tu joues à Mad Max, tu fais. Tu fais. Bah, en fait, c'est le même jeu, quoi. Alors, autant dans Mad Max, c'est ça. Que la voiture. Que t'es la voiture qui soit présente. Parce que c'est Mad Max, quoi. Les courses, les machins, tout ça et tout. Mais dans Rage, que la voiture soit aussi présente et tu dois te taper des 20 minutes en voiture parce que la carte est trop grande par rapport à ton besoin. Et que l'histoire est nulle et plate, quoi. Moi, c'est pas possible. Ah ouais, Rage 1, mais Rage 1, moi, c'est mon top favori. Le seul défaut de Rage 1, c'est t'as l'impression qu'il manque un bout du jeu. T'as fini le jeu, tu fais. Ouais, et. C'est quoi la fin? Qu'est-ce qu'on fait? Il manque un petit truc à la fin où. Il manque un acte dans l'histoire. C'est son principal défaut. Le moteur 3D était incroyable. Mais c'est que Rage 1 sur PC. Ah, mais arrêtez de me tirer dessus. Sur Rage 1 sur PC, ils ont sorti un pack 4K. C'est ce que le jeu, en fait, c'est ce qu'ils appelaient à l'époque. ID Software avait appelé ça le pack méga. Le modeur, c'était. Ils appelaient ça méga texture. Où t'as. Toute la map, c'est une seule texture appliquée. Et ils ont refait un. Et ils ont sorti un pack 4K. Et là, c'est incroyable. Ouais, la même J. Mais tu vois, je te dis, hein, c'est. Au final, tu vois, Mad Max a bien marché. Et Rage a pas marché. Alors que pourtant, quand tu regardes au final, en fait, c'est les mêmes jeux. Ils ont les mêmes défauts, ils ont la même construction narrative. C'est juste que. Tu pardonnes plus à Mad Max. Ouah, ouah, ah ouais? Oh, il a marché Mad Max quand même, non? Mais tu vois, au final, il y a le niveau de quête, c'est très très faible. C'est pas un mauvais jeu, hein. Mais bah, c'était pas un triple A, bah, Mad Max aussi. Rage, par contre, c'était un triple A. Ça, par contre, ça fait plus mal. Ça fait beaucoup plus mal parce que la com de Bethesda était. C'est le meilleur jeu du monde, regardez, il y a des punks fluo, on tire dessus. Et au final, c'est vrai que c'était pas ouf. Alors, est-ce que c'est là qu'on va débloquer le V8? Qu'est-ce que c'est cette merde? Oh! Je crois que nous avons notre V8. Ça a changé Rammstein. Ah, mais je le reconnais lui. C'est lui qu'on avait vu dans la base là, qui avait des garpies. Ok. Ça sent la baston. Avec un game. Là par contre c'est ma voiture. Donc là elle est résistante. Ça devrait être bon là. Là ça devrait être bon. Oh quoi?
Oui, bon, oui, une bombe. Ok. Allez, c'est parti. Et deux. Ah, on m'a tiré dessus. What? Quoi? Il y a des lance-flammes. Ça va être vite fait. Ah. Ah. C'est chaud. Allez, là dans les couloirs, c'est chaud. Ça se pilote pas bien. Je vois pas ce qui est devant moi. Mais non! On a le temps, il nous reste 5 minutes. Il nous reste. Oh, on a du matos. Mais par contre, je sais pas où est-ce qu'il est l'autre. Ah, la caméra qui se remet pas en face. Ça, c'est. Tout déstabilisant. Je suis à fond. Allez, on va y arriver. Qu'est-ce qui me jette ce con là? Allez, ça dégage. Yes. What? Non, c'était bon. Vous avez des problèmes de connexion chez vous? Oh, it seems okay on my side. Ok, ça c'est bon. La course était plus facile que l'autre. Hein. Oh, c'est bien, ouais. Oh, ça me ferait peur si même maintenant à 23h on se fait brider. Quoi? Ah! Repomper du dôme de. Enfin, du dôme de, du tonnerre. No quarrel with you. Them is the rules. Ok. Ouais, elle est plus rapide que moi. Ah, j'ai pas mon pistolet, ok. Ok, faut que j'arrive à la toucher quand.
Ouh, je l'ai foutu. Je vais caresser les cheveux. Du jeu. Et comment je peux savoir à quel moment là, les attaques là je peux pas les parer quand il y a le quand t'as le petit bouillou sur la tête, mais comment je peux faire la différence entre une attaque qui est parable avec le triangle et celle qui ne l'est pas dans son mouvement qu'elle anticipe? Ah, c'est chaud. Ça va être chiant, ça. Yes, et toi, attends, va être... Oui, il va... Est-ce que je... Gameplay. Ah, c'est chaud. Je peux, elle fait la même position quand elle fait une attaque compliquée que quand elle fait le triangle. C'est le problème, c'est que je suis obligé de faire une roulade comme ça pour esquiver, mais après derrière j'ai pas le temps d'attaquer, donc c'est juste ce que je fais quand j'ai des cas comme ça, j'utilise le pistolet puis on en parle plus hein, mais là je peux pas. Wow, j'ai mis. Comment on fait dans ces cas-là? Bonne nuit, salut Zaro. Mais c'est quoi ce combat d'autiste? Les coups au pif pour pouvoir la toucher de temps en temps, quoi. C'est abusé tellement que le gameplay est mal foutu. Ah, c'est passé. Comme il n'y a pas de. Comment ça s'appelle, il n'y a pas de lock, parfois je tape dans le vide. Merde, ça j'aurais pu le. Faut mourir, madame, hein. Putain, faut... Non, mais cette petite patate. C'était une blague. Tonight, the great prize of Castell will be delivered by someone very special.
Oh! J'ai cru voir une grosse bite. Oui, ça ressemble au boss. Ça a fait un screen d'arôme. What? Encore? Putain, encore un. Ça va être plus facile. Aïe, non, j'aurais pas dû faire ça. D'accord, il y a des sbires. Il y a du monde à la fête, hein. Ouf. C'était chaud la bite. Ah t'as vu, c'est le même gameplay mais avec des... Cependant que j'ai pas joué à Arkham mais... Le jeu, dans cette phase de combat ça va, il est vraiment bien. Il y a d'autres choses qui sont moins bien quoi. Putain c'est... Putain il prend... Oh, c'est un sac à PV, pépère. Hein. Je vais essayer de l'emmener là pour qu'il se quitte. Hello, Don. How are you? Là, ça fait pas grand chose. Hein. Et viens ici, viens ici, viens ici. Ah, hyper, hein. Il perd tout doucement. Hein. Là, il est vénère.
Allez. Il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Ah, nice. Nice done. Ah, c'est bon. Eh, hey, t'es ghost ou pépère, hein. What? Ok. On a une souhaite peut-être. Le gars est still great, but many mechanism of gameplay is very old now. Elle a mis sa idée. Ça c'est fait. Zoups. Alors. Oh, il y a de la pâté pour chien. Excellent. Ah, on a des couteaux. Oula! Attendez, on a des couteaux, de la pâté pour chien, de l'eau. Oh, ça sent la suite du boss, hein. Zannonce. Voilà. Ouais. Il a récupéré sa vie. Ah, c'est lui qui a piqué ma caisse! Ah. Ah, je crois qu'en fait c'est le boss final. Par contre, la caméra faudrait. Voilà. Non, j'ai pas reconnu, je me rappelais plus. Tu sais, pour vous, ça n'avait pas beaucoup de stream, mais j'ai regardé hier. Hein. J'ai farmé 18 heures le jeu pour avoir le la voiture à peu près correcte pour finir, pour arriver jusque-là, quoi. Moi, ça remonte à longtemps. Hein. Les cimères sont revenus. Ok, ok. Regarde la taille au front. Ah oui! Ah oui, c'est vrai, je l'ai foutu un coup de hache. Aïe, je me suis loupé. Et là, ils sont cachés derrière le boss. Faut qu'ils s'éparpillent un peu plus.
Aïe 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 aïe. Oh ça je crois pas autant de dégâts ça. Aïe 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 aïe. Ils reviennent vite. C'est ça qui défonce ses potes, heureusement. Allez, allez. C'est vrai que c'est une idée. Putain, j'allais le fracasse. Ah mince. Et mon V8? Organic mechanic, my champion, he's wounded. We didn't even have left on my doorstep. Swin, or you'll end up more of a mess than him. Let's get him to the chair. Huh? Ouais, c'est clair. Hein. Un boss sauvé par six. Par ses sbires. Oh. Oh le toutou. There's someone you should meet. Who? Je crois que j'ai mangé un peu trop de pâté pour chien. It's someone from before. The name you dog eater. There now, dinky dee, huh? We're all friends here. Ouais, c'est clair, non, c'est pas encore la fin. Putain, je suis sûr que. Je l'avais, hein. Je l'avais, hein. I just don't want any friends. Bit late for that. Ah, je crois qu'elle aussi va se prendre un coup de tatane. Non, 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 au début du jeu, il voulait le bouffer. Et Max est arrivé pour le sauver. Take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife. I do. Ouais, t'as sympa de soucis, Gabe. Son nom finit la cinématique, puis après, c'est pareil, on va y aller. Bon, ça, on continuera demain. Ma voiture! Pour l'Interceptor. Voiture qu'on a toujours pas récupérée. C'est très poétique. Your blood nourishes the weak. My blood
may it burn through your veins and scorch your soul. Pay us my payment. Yeah. Go on, get out. Get out now. Amy. Where is she? The woman. A concubine. Out there, the underbelly. You owe her a life. Don't know why she cares for a shit sack like you. Keep walking. Mon manteau. Blood leech. Blood leech outside. Le son était décalé sur la vidéo. Ok. Bon, résultat des courses, je crois qu'on n'a pas le V8. Hein. Ah, j'ai plus de voiture. On n'a pas le V8. On n'a plus de voiture. On a une tête de cochon. Et le boss nous a est encore en vie grâce au scénario. Et ben ok, on sera fixé demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est triste. On est pratiquement au bout. Regardez, je suis au niveau 8 et la fin c'est... On n'est pas très loin, on est tout en haut. Hein. Niveau de légende, on est pratiquement au max. Incroyable. Bon bah voilà. Hein. Donc ouais. Demain suite et peut-être la fin, je pense pas, mais je sais pas regardé où on en était, mais peut-être on verra demain pour la suite de nos aventures sur Mad Max et demain nouveau logiciel de stream, hein. C'est ça, bonne session de jeu, ouais. Demain on testera en première partie de stream, on testera l'autre logiciel de stream, et je vais encore travailler ça, mais vivant le week-end. Je suis sur les nerfs avec toutes ces conneries. Ok, bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce... Mad Max qui fait du stop, ça s'appelle Mad Max 3. Et Mad Max Fury Road. Et Mad Max 2 aussi. Dans le 2, il a plus d'essence. Dans le 3, il a plus de voiture. Et dans Fury Road, il conduit un bus. Oui, et pas tout le temps même. C'est un peu ça. Ok, bon en tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. Hein. Et on se retrouvera demain, j'espère, dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, par contre, la connexion était particulièrement mauvaise. Allez, on va pas... J'ai fait à parler. Trottinette, comme ça, c'est mieux pour le sable. Ça, tu peux faire du surf. En tout cas, merci. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à demain, si vous le voulez bien. Thank you to be here tonight and sorry, sorry again for the internet issue. I will try the new setup for tomorrow and I don't know. Maybe it will be better. So, good night and see you tomorrow. Bye bye. Ah mince, parce que j'ai cliqué sur... Merci, bonne nuit aussi à tous. Good night. Fuck.